Bonjour les gens, nous sommes de retour dans Dark Souls 3. J'ai déséquipé le masque que je portais jusqu'ici là, qui pèse un peu une tonne pour essayer ce bouclier que j'ai looté dans Smoldering Lake, il me semble. Je voudrais juste le tester un peu. On sert jamais des grands boucliers comme ça, donc je voudrais voir un peu ce que ça donne. Le problème c'est que tu peux pas parer avec ces trucs, je crois, vu que t'as ça à la place. Bon. Je voudrais voir un petit peu ce que ça peut donner. Est-ce que je suis au bon endroit, moi? Ah oui, alors je voulais partir d'ici. Et en dessous, là, je pense que je vais passer par l'escalier qui est derrière. Il est revenu, lui, évidemment qu'il est revenu. Écoute, on va lui redire bonjour de la même manière que tout à l'heure. Je sais pas pourquoi la manette a décidé d'attaquer une deuxième fois toute seule sans que je lui ai rien demandé. C'est pas grave. Donc ouais, je pense que je vais essayer de faire ce bâtiment-là. Oh putain, ils sont nombreux ici. Et l'espèce de place qui est derrière. Et ensuite, on ira voir le boss qui est là-haut, là. J'ai visiblement débloqué le raccourci pour aller le voir. On va pas avoir vraiment envie d'affronter ces types-là tous en même temps, je dois dire. Ils sont sacrément rapides. Comme mon arme est pas ce qu'il y a de plus efficace contre les ennemis rapides. J'ai un peu peur que si je m'attaque à plusieurs d'entre eux à la fois, je me fasse défoncer la tronche, je dois dire. Ouais, je sais pas où c'est ça, mais peu importe. Il y a un objet là-haut, je sais pas comment l'atteindre. Illusoire dans le coin. Bon. Voilà. Non plus, ok. Bon bah ça a pas l'air de servir à grand chose ce balcon là. Ils sont revenus ou pas les trois voyageurs maintenant? J'essaie de les esquiver si je peux, mais. Ok, donc ça c'était la place où j'étais en. En haut la dernière fois. Ça c'est la porte dorée que j'ai ouverte, ok. Il y a des chiens ici si je me souviens. Non, non. Tom par contre. Oh bonjour, t'étais pas invité toi mec. T'étais pas invité du tout même. Ow. Oh oui, ça fait un peu mal ça. Oh bonjour. Tu y vas. Nous laisser tranquille toi, tu vois pas que les adultes sont en train de parler? Ouais, cette attaque au bouclier a l'air relativement utile en tout cas. C'est un peu dommage d'avoir gâché une charge d'astuce dans le coin, mais bon, de toute façon, il y a un bonfire pas loin donc je m'en fous un peu. Lightning Gem. Ouais, je crois que c'est la première gemme d'éclair que je ramasse, tiens. Ah, comment tu montes là-dedans par contre? Peut-être en te jetant du dessus, ouais, probable. Du coup, en fait, je croyais que c'était. De l'extérieur, je croyais que c'était une église. En fait, c'est pas du tout une église. C'est une espèce de place à la con. C'est absolument pas un bâtiment, en fait. C'est à ça. Y'a pas un chien ici? J'ai souvenir qu'il y avait un chien. J'essaie de voir si je peux pas me faire tomber. Je savais pas que vous étiez aussi nombreux ici, les amis. Je peux pas me faire tomber en dessous, là. L'astuce. De toute façon, lorsque j'irai affronter le boss, je passerai probablement en courant et passer à travers le brouillard super vite. Ring of the Sun's Firstborn. Ok. Pourrait éventuellement être intéressant ça. Je vais aller me reposer au bonfire et puis on va aller se tenter le boss, je pense. Finalement, ce passage était vachement moins long que je le pensais. C'est marrant parce que quand je suis arrivé là, j'étais vraiment en panique vis-à-vis de ce que je voyais à l'intérieur. Du coup, c'est pour ça que je suis parti sur les côtés. Il s'avère qu'en fait, il n'y avait pas tant de choses que ça à l'intérieur. Enfin, à l'intérieur. Il n'y avait pas d'intérieur à l'intérieur. C'est surtout ça, en fait, qui est intéressant. À noter pour les gens qui remarquent peut-être qu'il n'y a pas de message au sol, ni de signe pour invoquer qui que ce soit, que je suis toujours en mode offline.
et que je resterai probablement en mode offline jusqu'à nouvel ordre, tant que le problème des hackers qui te pourrissent tes parties n'aura pas été corrigé. Le problème, c'est qu'il est pas garanti qu'il soit corrigé un jour, ce problème, ce qui est un peu dommage. Étiez même de vous, je me souviens plus du tout. Je sais pas si je vais pouvoir passer en courant suffisamment vite pour l'esquiver, lui. Hieronymus! Ok, GG. Pontife Sullivan. Alors, comme c'est une zone de froid ici, j'ai équipé de quoi enchanter mon arme de feu, parce que j'imagine que lui, il utilise du froid, donc il est probablement sensible au feu, je pense. Une grosse. Ah non, tiens, il y a une épée de feu. Est-ce qu'il a l'air d'être une épée de froid ou de magie? Ah, si j'ai bien fait de venir avec un bouclier aussi lourd contre toi. T'aimes bien les combos qui n'en finissent jamais, faut croire. J'ai rien dit, c'est pas de ma faute, laisse-moi tranquille. Oui, ça c'était une Richelieu. Eh bien, il m'a exécuté relativement vite, lui, fort bien. Je sais pas si c'était une super idée le bouclier aussi lourd ici, mais on va retenter. J'avais fait une quantité de dégâts pas négligeable, je me suis surtout chié sur le combo là. Son combo a l'air de durer longtemps, donc va falloir que j'évite de dépenser trop d'endurance assez vite. C'est peut-être pour ça du coup qu'il te file autant de. Comment ça s'appelle? Green Moss dans cette zone. Je sais pas si vous avez remarqué, mais lorsque j'étais dans l'espèce de marécage, notamment en dessous, là, je ramassais de la Green Moss dans tous les sens. Je pense que c'est peut-être dû à ce boss qui est peut-être très exigeant du point de vue des esquives que tu dois faire. Ne fais pas de dégâts, toi mec, j'ai pas le temps pour ces conneries. Généralement dans Dark Souls, lorsqu'il te file des objets de ce type, ça veut dire hein, que ça va être utile à un moment ou à un autre. Enfin, à un moment hein, relativement. Hein. Proche. Sa première attaque, elle part très vite. 3 attaques, 4 attaques, 5 attaques. 6 attaques, 16 attaques, 32 attaques, tu t'arrêtes un moment d'attaquer. Est-ce que t'as une charge? Les ennemis dans ce jeu, ils ont toujours des putains de charges. Non? T'es le seul ennemi de l'univers qui a pas de charge? Ah, tu te fais choper par une attaque, tu te fais choper par 15 attaques avec lui. Oh, je regrette beaucoup ma décision là, de faire l'amour avec le mur. Ow. Ouais, la vache. Tu te fais choper par un combo, tu te fais choper par 20 combos. C'est tendu. Tandax. Bon, du coup, si je devrais pas venir avec de l'équipement plus léger, je pensais peut-être moins d'endurance à la roulade. Au revoir. On va le retenter une troisième fois comme ça, et puis si ça se passe toujours aussi mal, on essaiera peut-être autre chose. Ah, je me suis fait toucher, c'était pas malin ça. Pas malin du tout. J'aime beaucoup le fait que je les entends encore derrière tous les deux. Essayer de galoper. Ow. Je sais vraiment pas comment esquiver sa putain de combo. Peut-être essayer de le bloquer du coup, mais. Tiens, il est très grand, donc la plupart de ses attaques ont tendance à passer au-dessus de ma tête, ce qui est bon à savoir, ça. Oh, et...
Ok. Donc visiblement, lorsqu'il lève les deux épées en même temps, c'est qu'il est très fâché, c'est ça? Ow. Jamais tu t'arrêtes d'attaquer, mec. J'apprécierais vraiment de pouvoir prendre un peu de distance avec toi, si tu veux. Ah, il s'arrête jamais d'attaquer, cet enfoiré. C'est un truc de malade. C'est un truc de malade. Oh shit! Évidemment qu'il explose, ils explosent tout le temps. Ah oh, merci, j'étais en train de me soigner, tu viens de ruiner complètement mon délire. Oh génial, ils sont deux maintenant, tu te fous de moi! Ok. Donc au bout d'un moment, ils se dédoublent. Donc je pense qu'il faut que j'utilise plus mon bouclier et un peu moins l'esquive. J'ai l'impression que j'esquive très mal son combo. Et que mon bouclier est peut-être pas si inutile que ça ici. Je crois que ce bouclier a une bonne résistance aux flammes en plus. Et vu que son épée principale, disons, du moins celle qu'il a l'air d'utiliser le plus, et des flammes, c'est peut-être pas idiot. Essayer de bloquer avec ce bouclier. C'est rare que tu sois capable de bloquer des attaques contre les boss dans Dark Souls, donc... Généralement, ils te bouffent toute ta stamina en l'espace de 3 secondes. Je crois que je reste au corps à corps lorsqu'il se met à terre, parce que monsieur explose. J'aime pas comment je me suis fait avoir par ça, parce que c'est vraiment le... Le syndrome du boss de Dark Souls, hein, c'est... Ah, je suis tombé au sol, ça veut dire que je vais t'exploser à la gueule. Et merci le verrouillage automatique au passage. Un peu idiot de ma part, ça. Enfin, le verrouillage qui se tire en plein milieu d'une attaque, c'est vraiment splendide, je dois avouer. Ok, on reste pas à côté. Et hors de portée. Ok, monsieur est très énervé cette fois-ci. Est-ce que le double peut être tué ou pas? Les âmes, je m'en fous un peu. Ok, le double peut être tué, je vais essayer de tuer le double du coup. Il gagne de nouvelles attaques au passage. Oh. Ok, j'ai l'impression qu'il copie les attaques du double, en fait. Ah, oh, merci pour ça, c'était très apprécié. On a fini au sol. Ok. Pour la première phase, j'ai l'impression que je la comprends relativement bien. La deuxième phase, avec le double, c'est un peu tendu. La première phase, j'ai l'impression que je commence à la saisir. C'est par où qu'on sort, c'est par là. Heureusement, plus de résine de feu, donc on va faire ça. Donc je pourrais aller en acheter, mais... C'est bien nécessaire. Ah, oh, je t'en prie, Billy.
Merci. Je devrais m'amber également à chaque coup que je vais me battre contre un boss. C'est vraiment quelque chose que j'oublie de faire à chaque coup. Pas spécialement intelligent de ma part. Mine de rien, ça te donne quand même plus de vie. Alors, la première phase, on s'était pas trop mal démerdé au précédent essai. En fait, j'ai l'impression que l'épée qui me met le plus en danger, c'est son épée de magie, parce qu'avec l'épée de feu, il tape trop, en fait. La plupart du temps, il me rate. Ça, c'est vraiment très agaçant que le verrouillage se casse là-dessus. Avec l'épée de feu, c'est assez régulièrement qu'il me tape au-dessus de ma tête, en fait. Ce qui m'arrange beaucoup, je veux dire. Eh, il a pas sorti de double, là. Ok, il est en train de sortir le double, là. J'ai essayé de tuer le double. Si le ciblage pouvait arrêter de changer de l'un à l'autre, ce serait cool. Ok, j'ai eu le double. C'était gourmand ça, c'était très gourmand. Ok. Bon, il m'aura tué 4 fois, je crois. Mais il n'était pas trop dur, en fait. Il aurait juste fallu que je comprenne un petit peu mieux comment il fonctionne. Il est intéressant comme boss parce qu'il est pas très classique dans sa manière de fonctionner, je trouve. Généralement, bloquer un boss dans Dark Souls, c'est rarement une bonne idée. Et lui, il s'est avéré que c'était plutôt valable contre lui. J'ai du bol d'avoir des boucliers qui résistent autant aux flammes. Ça sera quoi ça? Parce que ce bouclier, il résiste pas autant aux flammes que mon bouclier précédent qui était le Dragon Crest Shield. Et il résiste bien aussi, je trouve. J'imagine qu'elle sauve pas non plus, mais bon, ça coûte rien d'essayer. C'était plutôt stylé comme boss. C'est vrai que j'en ai un peu marre des boss qui se dédoublent et des boss qui invoquent des potes. Pas que ce soit une mécanique inintéressante, c'est surtout que la caméra a vraiment du mal. Le système de lock qui passe de l'un à l'autre, c'est vraiment casse-burne. C'est généralement des combats assez stressants quand t'affrontes plusieurs ennemis à la fois. Le fait que le système de lock et la caméra en rajoutent au stress, c'est pas vraiment très rigolo. Ok, on peut monter par là-haut. Voir ce qu'il y a par là déjà, il y a visiblement quelque chose. C'est un peu le festival du Large Tiny Shard ici. Je pense que ça veut dire que bientôt la vendeuse va en vendre, parce que la dernière fois qu'on a filé autant de titanite, c'était de la petite titanite dans le marécage, et 5 minutes plus tard... Ça verrait que je pouvais en avoir gratos. Merde, il a réussi à se sauver, lui, c'est regrettable. Il me donne beaucoup de twinkling en ce moment, j'en ai vraiment qu'une utilité, je dois dire. Ce qui est vraiment dommage. On va essayer le passage qui est sur la droite. Plier, on n'est jamais trop prudent. Un objet. Il n'y avait pas un objet qui était en suspension que j'ai raté également un peu plus tôt, je me rappelle plus. Ça c'est en haut, je vois pas comment l'atteindre pour l'instant. Oh, ok, ici il y a beaucoup de géants morts. Je crois qu'il y a une sorcière au bout du
du couloir. Je sais pas si vous pouvez le voir là, mais il y a un petit personnage au fond. Les géants, je vais partir du principe que vous vous relevez pas, les gars. J'entends, mais c'est probablement stupide, ça. Un bruit de respiration. J'essaie de les verrouiller pour voir s'ils sont vivants. Ils n'ont pas l'air. Ouais, ça m'inspire pas confiance du tout, ça. Je vais me méfier quand même. Y a quoi là-dessous? Des bruits de pas. Où ça exactement? Escalier à droite, un mur à gauche, potentiellement un mur provisoire peut-être. Bon, est-ce que ça peut me ramener au-dessus, savoir l'objet que je pouvais voir? Ouh, bonjour. S'il y a des gens qui balancent des flammes, il y a un truc qui remonte à chapelle. Pour l'instant, je vais essayer de les ignorer, mais je vais probablement les flinguer avant de passer au pays des géants, là, parce que j'ai peur qu'ils me bombardent la gueule dans le cas contraire. Putain, vous avez une bonne portée, les amis, hein? Vous avez une bonne portée, les gars, mais j'ai une bonne résistance aux flammes, donc. Vous avez pas l'air bien solide. Entendre qu'il s'était ressuscité derrière, ça m'a fait un peu flipper. J'ai vraiment une très bonne résistance aux flammes, même. Agile, toi. Ouais, t'es plutôt agile et du genre on peut pas t'interrompre également. Bon, vous êtes calmés tous les deux là. Ouf quoi ça. J'entends vraiment des bruits zarbis ici. Sauf pas d'ici, donc c'est probablement un futur raccourci. Notez qu'il y a toujours un raccourci dans la zone précédente, là, et Hyrithyll of the machin chouette, que j'ai toujours pas ouvert. J'ai absolument aucune idée où est-ce que tu peux l'ouvrir. Espèce de porte qui était au tout début de la zone avec le bruit bizarre derrière, là, je sais pas où est-ce que tout ça. Où c'est exactement? Ok, c'est l'arène du boss vue de dessus. Ok, donc ça doit être l'ascenseur que je pouvais pas appeler en bas. Sinon, je vois pas vraiment de raison de descendre. Balcon ici. Et un coffre là-haut. Probablement une mimix. Ça fait longtemps que j'en ai pas croisé en plus. Yep! Ah, je suis probablement mort là-dessus. Ça, en règle générale, ça fait excessivement mal. La caméra un de ces jours, tu vas rester verrouillé sur les monstres. Ce serait vraiment cool. Ce serait vraiment cool. Est-ce que t'es franchement agaçante, ma vieille? Et ouais, là, t'as pas de problème à rester verrouillé alors qu'il est à côté, mais parfois, il suffit de faire un mètre et soudainement, tu regardes la lune. Oh, il y a plusieurs niveaux de puissance des mimiques, parce que tu m'as l'air un peu solide, toi, ma vieille. Je crois que c'est un casque, ça. Symbol of Avarice. Je crois que c'est un casque. Yep. Bonjour les amis. C'est moi, votre super copain. Dommage qu'il pèse aussi lourd parce que sinon, putain, je le garderai équipé en permanence ce truc. Glorieux. J'ai lâché un autre truc. Golden Ritual Spear, ok, c'est probablement objet pour prêtre ça. Euh,
Fort bien. Donc c'est par là que je suis arrivé. Elle est là-haut, donc on va aller voir. Bon, pourtant ça y ressemblait. Oh, bonjour toi. Twinkling. Ah non, Simple Gem, tiens, je sais même pas à quoi ça sert. Ok, bon bah y a pas l'air d'avoir grand chose d'autre à faire à l'étage là de la cathédrale. Je redescends avec l'ascenseur, est-ce que je peux le réactiver depuis en bas? Est-ce que j'ai vraiment envie de descendre avec l'ascenseur? Mon avis, à un moment tu vas pouvoir ouvrir les portes sur les côtés, ça va peut-être te servir de raccourci, ça. Je pense. Parce qu'à l'heure actuelle, je vois vraiment pas à quoi il sert l'ascenseur en fait. Tu peux littéralement revenir au même endroit hein, en faisant genre 3 pas. En parlant de ça, je vais peut-être me reposer un coup. Est-ce que je peux remonter par là? Je sais pas si c'est très utile ou pas, ça, honnêtement. Ah, mais. Pour l'instant, j'en vois pas trop l'utilité. Boulet Bill, ils ont ressuscité là, ce qui est pas vraiment une surprise. Wow. Un drôle de bruit quand vous clamsez, vous les gars. Genre de bruit que ferait quelqu'un qui ressuscite. Ça, même un putain de coup à deux mains fortes, ça t'impressionne aussi pas que ça, toi. Ah, tiens, on a réveillé Steven et Henry sur le côté, plus les deux emmerdeurs de derrière. Fantastique. Oh oui, on a réveillé toute la compagnie créole, là, ça va être super, ça. Ça va être giga fun. Oh, j'ai ramassé vos fringues. Vous me voyez plus les gars, vous voulez pas venir me chercher? Je suis caché. Non? Ah non pas? Ouais ouais, tu peux me parler autant que tu veux Billy, je suis pas intéressé par ce que tu vends. Salut les gars! Alors. Deux pour le prix d'un. Oh oh oh, Serpentine! Oh, le type en bas, il vient de. Les types en bas viennent de d'enchanter leur équipement, ils ont l'air très fâchés. Je sais pas qui c'est, mais je crois qu'ils me veulent pas du bien. Je crois qu'ils ne sont pas de très bonne humeur. La question c'est est-ce qu'ils sont assez intelligents pour me suivre jusque là-haut? La question c'est qu'ils sont plus en bas donc. Ils sont probablement assez intelligents pour me suivre jusque là-haut. On n'ébruite pas. Yep. Ok. Je sais pas qui t'es, toi, Ned Stark, là, on dirait, et Jon Snow à côté, mais. Vous connaissez la politique de chacun son tour, là? Violence, c'est les vacances. Oh Billy, j'étais en train de me battre contre ton padre. Personne t'a mis au courant que j'aimais pas les lances au passage. Oh shit. Roulade. Roulade dans le mauvais sens. Roulade. Non, pas roulade contre le mur, merci. Ouais, les types avec des lances. Et le papa, il est calmé.
Et Jon Snow, il est calmé aussi. Perdu plus de vie que je l'aurais souhaité là-dessus. Il m'a donné des doubles lances, dont je me servirai probablement jamais parce qu'il faut probablement une tonne de dextérité pour ça. C'est un peu bizarre comme concept d'utiliser deux lances à la fois, non? Seul à trouver, quand même, c'est un peu bizarre comme concept. Et ressembler. L'espèce de ronflement que j'entends, il m'inspire vraiment pas confiance. Je sens que je vais descendre au milieu des géants pour aller ramasser les objets. Oh shit, j'ai entendu le bruit de flèche. Ça venait d'où ça? Pas d'où ça venait, mais il y a quelqu'un qui me veut pas du bien là. Non, parce que ça me rappelle un certain archer bien casse-burne de Dark Souls 1 là, à Norlando. Et vu que cette zone c'est un peu à Norlando bis. Je pense que ce n'est pas une coïncidence. Une même une coïncidence. On va voir où il est, studio. Dans Dark Souls 1, à Norlando, il y avait un fameux passage où tu devais péter une fenêtre, où il y avait un casse-burn avec un arc. C'était bien agaçant. Si tu touchais, tu tombais du rebord et dans le vide. Rendez-moi service, les mecs, vous... C'est-à-dire, rendez-moi service, les mecs, vous réveillez pas. Dit-il juste avant d'en réveiller un. Laisse-moi deviner, t'es vachement sympa comme mec. Oh, bah, je vois bien ce que je fais là, ça fait plaisir. Ok, le verrouillage, on va oublier, hein. Généralement, les ennemis de cette taille, il faut rester dans leurs pattes et esquiver... Oh la vache, il fait un peu mal, lui. Esquiver les coups de pied qui collent vers le sol. Je vais bouffer plus de la moitié de sa vie, déjà. Bon, t'es calmé, Bélé? La chute la plus élégante que j'ai pu voir, mais... Choisis pas comment on meurt, hein. Enfin, en l'occurrence, toi, t'as un peu choisi comment t'es mort, hein. Si tu voulais rester en vie, il suffisait de continuer à dormir, mon vieux. On a un autre encore qui ronfle, donc il y en a probablement encore un qui est vivant dans le tas. Ça a l'air de servir à grand-chose, ce... Ah si, tiens, il y a un objet là. Large Titan. Je vais pas me filer des... modèle au-dessus, là, dont j'ai oublié le nom. Je vais pas prendre le risque d'en réveiller d'autres, parce que je vois pas trop l'intérêt, en fait. Ils ont pas l'air de looter quoi que ce soit, en plus, donc... Pourquoi se faire du mal? Ça ne sert à rien. Passage qui est sur la gauche de l'entrée, qui est au-dessus, là. Un idiot d'archer qui m'empêche d'y accéder. On va entrer par la porte, je pense, et puis ce sera très bien. Ouais, ça sent les murs illusoires, donc je vais essayer, malheureusement. Ah, tiens, en voilà un. Oui, les chances qu'il y en ait deux à 1 mètre l'un de l'autre sont limitées. Je sais pas où ça m'emmène, ça, la vache. Oh, 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 oh. Comme j'ai vachement envie de t'affronter, toi mec, comme tu m'as défoncé la gueule la dernière fois que je t'ai vu. Ouais, je crois que je vais prendre mon mal en patience là-dessus. Pas très envie de l'affronter avec 5 flasques d'Estus, lui. Plus, c'est au milieu de la flotte, donc si jamais l'eau est empoisonnée ou si jamais ça te ralentit, j'ai très très peu envie d'y aller là. Mais on va garder ça en tête pour plus tard, hein. C'est une chose à faire sur notre agenda. On trouve un bonfire dans le coin, peut-être qu'on y retournera. C'est marrant parce que généralement les murs illusoires t'envoient plutôt à des endroits intéressants pour toi. Pas des endroits mortels. Je crois que c'est lui l'archer qui me shootait là-haut. Il y en a deux apparemment. Fuck. Ouais, c'est un peu étonnant de voir un mur illusoire qui t'envoie directement dans la gueule du loup, de manière assez littérale d'ailleurs.
Ah, ça c'est cool, parce que ça j'en ai pas beaucoup, au contraire des larges Titanic Shards. Je me demande comment on l'atteint cet objet là-haut. Je vois pas trop d'où monter et encore moins d'où tomber pour l'atteindre ce truc. Eh oui, vous êtes mignons, vous avez des arcs, on est tous fiers de vous. J'ai l'impression qu'il y en a genre 50 des putains d'archers là. Oui, j'en vois un là également. J'en vois un là également. On dirait les Silver Knights de Orlando en fait. Je peux monter ici. Et je peux probablement monter par là-haut aussi. Je sens que ça va être un passage empli de fun et de bonne ambiance. Je sens que ça va être un passage empli de fun et de bonne ambiance. Heureusement qu'ils font un boucan pas possible, oh putain d'arc les gars. Par contre, si vous pouviez éviter d'être 55, ce serait cool. Oh shit, y en a même derrière là. Oui, on dirait vraiment des Silver Knights d'Anne Orlando en fait. Ils sont vachement plus solides en fait. Ok, ce sont de bonnes choses de faites. J'espère qu'ils respawnent pas, sinon ça va être bien casse-bien de repasser ici. Chaque fois, j'aime beaucoup le fait que j'ai un putain de javelin planté dans le mollet, truc qui doit faire 25 kilos là. Alors, je suis relativement conservateur sur mon estimation. Billy, 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 tu veux pas venir te battre là? Non, hein. Tu veux absolument rester à ton poste. Pas. Oh, Billy. Si tu allais changer d'avis, Billy, fallait me le dire. Ok. Oh non, pas de roulade par là, s'il vous plaît. On va peut-être éviter les roulades par là si tu vois pas d'inconvénient. Ah, il gagne relativement vite, Billy, je veux dire. T'as également cette fâcheuse habitude pour les monstres de Dark Souls d'avoir exactement un point de vie en plus que les dégâts que j'inflige. Je peux descendre sur cette plateforme là où il y a deux Billy en bas. Ce qui serait pas déplaisant, j'ai plus mon arbalète hélas, parce qu'elle pesait trop lourde pour que je puisse utiliser le bouclier avec. Moyennement envie de me battre contre deux Billy en même temps, cela étant dit. Oh, il y a l'air d'avoir une entrée là, tiens. Et ça vient là-haut, toi. Ramène donc ton popotin, l'ami. Oh, t'as une épée en éclair, c'est adorable. Ah, ça c'est un Billy moins qui m'a lâché son bouclier, c'est une excellente nouvelle. Normalement leurs boucliers sont plutôt cool à eux. Vous avez confondu avec les Black Knights, mais en fait c'est des Silver Knights. Hein. Oh, toi t'as une lance et tu sais ce que je pense des gens qui ont des lances. Raté. Mec, je veux pas t'inquiéter, mais tu vas te péter la gueule à force de faire l'idiot. Voilà. Merci. Ornstein m'a fait passer l'envie définitivement de me prendre un coup de lance électrique dans la gueule, si tu veux tout savoir. C'est plutôt mal en plus, cet enfoiré. Ouais, ça a l'air de mener à ce qui ressemble à j'allais dire un escalier, à ce qui ressemble à un ascenseur. C'est peut-être l'endroit où je me demandais tout à l'heure comment est-ce qu'on y descend. J'espère que je suis hors de portée des autres Billy qui sont plus loin. Non, je ne suis pas hors de portée des autres Billy qui sont plus loin. Ça, quelque chose me dit que ça mène à la porte fermée qui était en dessous. Yep, ça a l'air d'être ça. Un bon moyen éventuel de retourner au Bonfire. Ce qui serait d'ailleurs peut-être pas la pire des idées, vu la quantité
Estus qu'il me reste, et par quantité, je veux dire, pas des masses de quantité. J'aimerais bien trouver un bonfire avant de... Oh tiens, il y avait un objet par là aussi. Ça rappelle une zone de Dark Souls de cet endroit. Il y a un objet en dessous là, mais je sais pas si j'ai envie de descendre. Je ne sais pas comment remonter. Généralement une bonne chose dans Dark Souls. Pas descendre à un endroit si tu sais pas comment remonter. Direct Gwyn, tiens. Pas de truc à lire. J'imagine que si je jouais online, il y aurait un milliard de messages devant qui seraient en train de dire qu'on dirait Gwyn, mais... Comme on ne peut pas vraiment jouer online en ce moment à cause des hackers qui font chier le monde pour le plaisir. Pour leur propre plaisir. Ah ok, on est donc littéralement à Norlando. Fort bien. C'est-à-dire, jusqu'ici, j'appelais cette zone à Norlando Bis, parce que ça y ressemblait vraiment, mais alors le coup de la tour, il va descendre si j'appuie là-dessus à tous les coups. C'est exactement à Norlando. Yep. Ok, donc on est à Norlando. Ça faisait pas vraiment... de doute, n'est-ce pas? Mais là, ça... ça dissipe toute absence de doute qui restait, parce que c'est exactement le même mécanisme que t'as dans Dark Souls 1. Permettre de grimper dans les hauteurs du repère de Guinevere. Bon, on va peut-être revoir Guinevere du coup. Quoique techniquement ça se passe un milliard d'années après, mais elle est encore vivante. Quoique techniquement elle n'était pas vraiment vivante dans Dark Souls 1, c'était une illusion. Yep, la roue qui te permet de le faire tourner est encore là. D'avoir d'objets cachés dans le coin. Une vue plutôt sympatoche hein, d'ici. Une vue plutôt sympatoche. Je peux voir un objet sur le toit de la cathédrale, mais je crois que j'ai rêvé. Quelque chose me dit qu'on peut probablement atteindre la tour qui est en face là, en faisant peut-être tourner la. Oh, il y a un bonfire dessus, donc c'est relativement clair. On peut l'atteindre. Peut-être qu'en tournant la manivelle, je vais m'en rapprocher. Ok, j'ai ouvert cet accès-là, mais c'était pas vraiment par là que je voulais aller, moi. Je vous cacherai pas que j'ai quand même une sérieuse envie de sauter dans le vide là, juste pour le bonheur. Je vais aller voir si le passage du dessous s'est pas rapproché de quelque chose d'utile. Ah, il y a l'air d'avoir un bonfire également par là, si j'ai bien vu. Yep, je vais aller l'allumer et je vais aller voir en dessous s'il y a quelque chose d'utile. Ça, si je me fais tuer connement. Ce qui est, avouons-le, assez probable. Ok, donc. Le suspense est fini, nous sommes bel et bien à Norlando. Pas comme s'il restait beaucoup de suspense, hein, mais... Ok, ok, ok. The plot thickens, comme disent nos amis anglophones. Là, qui est fort intéressant, ma foi. Je m'en doutais beaucoup, hein, mais bon. Quelque chose m'a dit que je peux atteindre cette putain de tour d'un moyen ou d'une autre. Il y a un bonfire dessus, donc il est clair qu'il y a un moyen d'y aller. Pas trop comment. Pas trop où ça mène cette histoire. On peut voir le pont par lequel je suis arrivé, dis donc. Ça en bas, ça doit être l'église où il y a le bonfire, c'est ça? Au moins que ce soit plus là-haut. Oh, c'était totalement ça que je voulais faire. J'ai failli tomber dans le vide. J'aimerais bien de regarder ce que je fais quand même. Quoique je m'en fous, j'ai un bonfire juste à côté. Donc si je veux sauter dans le vide, je peux sauter dans le vide, c'est pas un problème. Ok! J'allais dire, je peux sauter dans le vide, c'est pas un problème, mais il s'avère que je n'ai pas à sauter dans le vide. Enfin, je me comprends. Intéressant.
Question étant de savoir jusqu'à où cette illusion dure, et où est-ce qu'elle s'arrête. Oh tiens, on dirait Gwendoline à côté. Ok. Probablement le passage le plus arbitre de l'histoire. Oh, je crois savoir où c'est, ça. L'espèce de passage en bois qui était au-dessus de l'église où je savais pas où ça menait, là. Je crois que c'est ça. Et on t'a dit que tu ressemblais beaucoup à Gwendoline? Name thyself, stranger. I am Yoshka, captain of the Dark Moon Knights. What beckoned thee to such a place? Écoute, j'ai le choix entre rien faire et rien faire. If thou come stumbling here in error, I bid thee leave anon. This tower is a prison. Thy presence shall invoke the ire of the tyrant Sullivan. Ouais, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi, mais Sullivan, il s'est un peu fait buter. To converse with another. My thanks, strange visitor. May the dark moon watch over thee. Ok, donc il y a probablement une quête liée à elle que j'ai pas dû faire, je pense. Thou thinks to remain. This tower is a prison. I bid thee leave, and may the dark moon watch over thee. Le fait qu'il y ait un menu avec faire rien, je pense qu'il y a probablement quelque chose que tu peux faire ici. Tu accomplis peut-être une quête que j'ai pas dû faire. Intéressant, cela dit. Je sais pas si j'ai très envie de descendre dans l'échafaudage, hein, parce que je crois savoir où ça mène. Il n'y a pas l'air d'avoir d'objet dedans, donc à quoi bon? Bah bizarre en tout cas cet endroit. Pas très bizarre. Ça me rappelle un peu Gwendoline et Madame là. Je fais probablement erreur. Je redescendrai bien, je vais y arriver. Parler, c'est difficile, faut croire. Pour continuer mon extermination des Billy qui étaient sur les hauteurs. Quoique, on s'approche des 50 minutes de jeu, je vais probablement pas avoir le temps de. Ah, je peux plus te bouger en plus, toi. Je vais pas avoir trop le choix. Quoique, je peux simplement me retéléporter. Si, je peux te bouger par là. Je peux simplement me retéléporter au Bonfire précédent si je le désire, c'est pas un souci. J'aimerais peut-être bien continuer l'exploration de cet endroit-là. Mais comme je disais, on s'approche des 50 minutes de jeu, donc je pense qu'on va peut-être s'arrêter pour aujourd'hui, m'est avis. Donc ça, c'est une statue de Gwyn, c'est pas une statue qui ressemble à Gwyn. Je pense que c'est tout à fait une statue de Gwyn. Accompagnée de statues de ses Silverguards. Il n'y aurait pas les statues de ses mioches quelque part, non? Non. Ses chevaliers également. Voilà. Artorias, Ornstein, oui, vous êtes revenus tous les deux, ce qui est pas vraiment une super nouvelle. Ouais, non, désolé les gars, mais je crois qu'il est temps de finir cet épisode, donc je vais aller me reposer au bonfire que j'ai débloqué là-haut, et je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Intéressant en tout cas, comme petit endroit de progression, là, je dois dire que je suis tout à fait réjoui de retrouver certains endroits du 1. J'espère qu'ils vont pas nous faire affronter Ornstein et Smough. Je sais que la cruauté des développeurs de Dark Souls n'a pas de limite. Mais j'espère que Ornstein et Smough, c'est quand même la limite. Parce que vu comme j'avais galéré à les buter dans le 1, je préférais éviter d'avoir à le refaire. Donc techniquement, j'ai ramassé le marteau de Smough et j'ai ramassé la bague d'Ornstein, donc... C'est qu'ils devraient être morts tous les deux, hein? Non? Ou est-ce qu'ils vont revenir dans une forme encore plus dangereuse? Ce qui est sûr, c'est que c'est bel et bien un Orlando, donc c'est bel et bien les Silver Knights. Ouais. La prochaine fois, je pense que j'essaierai quand même de finir le passage sur le toit, là, parce que je pense que j'ai raté pas mal de trucs là-haut. Et ensuite, on ira visiter un petit peu un Orlando pour se rappeler. Des passages d'une époque disparue.
Ok. Ça pourrait être relativement drôle, je pense, de voir un peu à quel point ça a changé ou non là-dedans. Peut-être qu'on va revoir certains personnages de Dark Souls 1 là-haut, j'en ai aucune idée. Techniquement, on pourra croiser pas mal de monde là-haut, même si on considère les gens que logiquement tu dois avoir tué pour finir Dark Souls. On pourrait encore croiser des trucs assez intéressants. J'aime bien le nouveau bouclier, malgré cette attaque qui a failli me foutre dans le vide là. Le truc que j'aime pas avec les boucliers qui n'ont pas de parade, c'est que j'aime bien quand même tenter des parades de temps à autre. Je dois avouer que cette petite attaque là a l'air d'être relativement valable quand même, donc j'ai l'impression que je suis bien couvert par le bouclier pendant que je la fais, donc ça peut être relativement cool. Et il a d'excellentes résistances, donc mon précédent bouclier était plus résistant contre le feu, mais au-delà de ça, celui-là est plus résistant contre tout, donc je sais pas si je vais le garder ou pas. Le truc c'est qu'il est vraiment lourd, et comme mon arme est également extrêmement lourde, les deux en même temps font que je ne peux pas vraiment équiper grand chose d'autre sur moi, comme une arbalète par exemple, ce qui occasionnellement peut avoir son utilité. Ah bon, peu importe. On se donne rendez-vous pour la prochaine fois, où l'on ira continuer à jouer au fil de l'air sur les toits de la zone, là, avec les Silver Knights armés de Dragon Slayer Bow, et ensuite on ira peut-être ouvrir les portes d'Anor Londo. Voilà! Ciao tout le monde!